entendu ma bonsoir. Merci d'être au bain. C'est la première fois que vous venez? C'est la première fois. Et vous, votre fils vient quand même, non? Oui, oui, c'est normal. La nouvelle génération est plus apte à venir chez vous que la mienne. Maintenant, vous pourrez, vous pourrez le snober en lui disant que vous aussi, vous venez au bain. Exactement, oui, oui. Je pense qu'il le verra. Vous connaissez Yvette Horner? Oui, bien sûr. J'admire beaucoup son talent. Je vous présente Jill Jones, qui est une découverte de Prince et qui va faire très, très fort dans les années qui viennent. Valentina Vargas, qui jouait dans Au nom de la rose et dans le film d'Alfredo Arias, qui s'appelle Fuegos. C'est une charmante chilienne. Elle parle très bien le français. Je vais vous citer quatre adjectifs qui vous sont généralement attribués. Et vous allez me dire si oui ou non, ils vous conviennent. Alors, attention. Premier adjectif, dilettante. Oui ou non? Vous faites beaucoup de choses. Je l'ai été. Mais ça dépend aussi comment on définit le discours, n'est-ce pas? Dilettante. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que ça veut dire avoir plusieurs activités, plusieurs centres d'intérêt? Ou au contraire, ne s'intéresser à rien, toucher à tout de façon superficielle? Vous avez l'air de travailler sans vraiment donner... Enfin, voilà. Vous avez... Ça, c'est vrai. Deuxième adjectif. Alors, le deuxième adjectif, machiavélique. Oui ou non? Oh, machiavélique. Répondez en une phrase. Si c'est pour être aussi intelligent que l'a été Machiavel, surtout dans les domaines que vous évoquiez, après tout, c'est pas péjoratif. Donc, troisième adjectif. Mais c'est devenu péjoratif. C'est devenu péjoratif, d'accord. Mondain. Vrai? Oui ou non? Non, j'aime bien être dans le monde, mais pas tellement. Vous voyez, je suis jamais venu chez vous. Pourtant, c'est l'endroit à la mode. Quatrième adjectif. Le dernier, arriviste. Oui ou non? Arriviste. Non, c'est plus de mon temps. C'est plus de mon âge. Je l'étais quand j'étais plus jeune, sans doute. C'est-à-dire, je savais où je voulais aller. Vergès a dit de vous qu'il comprenait mal comment, à l'époque, vous pouviez être dans un gouvernement aussi philosémite. Vous êtes ami avec Vergès? Nous nous sommes beaucoup vus. Nous avons plaidé beaucoup d'affaires ensemble, notamment au moment de la guerre d'Algérie. Vergès a défendu Barbie. Est-ce que vous défendriez Le Pen, si vous, en tant qu'avocat? Non, vous savez, le propre de cette profession est que l'on peut choisir. Choisir implique que l'on puisse refuser pour des raisons multiples. Ne serait-ce que parce qu'on estime qu'on ne serait pas à la hauteur de la tâche qu'on vous confie ou de la cause qu'on vous demande de défendre. Alors, pour un tas de considérations, je pense que c'est une cause que je n'accepterai pas. Du reste, il ne me le demanderait pas. Yvette Horner, qu'est-ce que vous pensez de Roland Dumas? Vous pensez qu'il est très habile, comme on le dit généralement? Oui, je trouve en effet, je suis un tout petit peu la politique. Je trouve que c'est un homme extraordinaire, un homme exceptionnel. Et je pense que, mademoiselle tout à l'heure, qui a voulu demander un tas de précisions, bien sûr, on sait très bien qu'il y a une diplomatie, on ne peut pas répondre comme ça. Il faut quand même réfléchir. C'est le propre de la politique, de réfléchir. Est-ce que vous le trouvez beau? Parce qu'il a une réputation de playboy. Est-ce qu'il vous plaît? Moi, je dois dire... Qui devrait passer, non? Non, je trouve un effet... Mais ça passe pas, je trouve qu'il est à l'âge encore. Je trouve un effet qu'il est très beau. Vous le trouvez très beau? Oui. Et vous, what do you think of... Je retournerai le compliment tout à l'heure. Do you think he's an handsome man? I think he's a real charmer. He's very charming. Et toi? Thank you very much. Pas mal. Il est pas mal. Mais Madame Thatcher vous trouve aussi charmant. Hein? Vous faites l'unanimité. Mais ce sont des formules qu'on emploie dans la diplomatie. Alors, je ne sais pas si je dois y ajouter foi. Est-ce que vous pensez que votre physique vous a aidé dans vos missions? Je crois pas. Votre sourire, vos tempes, vos cheveux argentés, vos yeux bleus. Bah écoutez, il y a des cas où je ne souris pas. Vous souriez très bien, par contre. J'ai pas toujours eu les cheveux argentés. Et puis... Je pense que l'intelligence est fondamentale. Voilà, j'allais dire, faites-moi la confiance de, on vous de l'a croire fait, celle-là. Bon, il y a aussi d'autres éléments, quoi. Très bien. Alors maintenant, on va regarder un clip d'Yvette Horner, qui est réalisé par Jean-Paul Gaultier. Oui, c'était fait en quelle année? C'est l'année dernière. L'année dernière. Oui. Très bien, alors allons-y. Thank you.
Yvette, vous vous souvenez, ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Et maintenant, c'est... Mais ça n'a rien changé du tout, maintenant, je joue toujours de l'accordéon. Maintenant, c'est Gauthier qui fait vos clips. Alors, quel effet ça fait d'être devenu une star débranchée après avoir été critiqué il y a 20 ans par Antoine? C'est-à-dire que critiquer, c'était... Vous trouviez ça sympa? Non, ça m'ennuie un tout petit peu, mais enfin, oh, vous savez, ça fait partie. Mon Dieu, la critique, il faut la prendre, il faut la lire, il faut la laisser de côté, il faut en prendre. Faut la... Non, okay, vous êtes toujours là, Antoine n'est plus là, lui. Hein. Bien sûr. C'est ce qu'on pourrait dire. Il voyage. Je pourrais dire que j'ai quand même continué et que l'accordéon a toujours marché. Alors, quand vous étiez petite, vous vouliez être concertiste, et puis c'est vos parents qui vous ont dit finalement, tu devrais jouer de l'accordéon, parce que l'accordéon, quand même, on meurt pas de faim quand on joue de l'accordéon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous donneriez la moitié de votre carrière d'accordéoniste pour une carrière de concertiste? Non, je referais la même chose. Vous referiez la même chose? Absolument, la même chose. C'est-à-dire que quand mes parents m'ont demandé de laisser les études classiques, de continuer après le conservatoire d'apprendre l'accordéon, bien sûr, j'ai pleuré pendant 3 ans. On peut dire 3 ans, je ne pouvais... Mais c'était impossible d'entendre une note de piano à la radio, car c'était un effondrement. J'avais perdu un amour très cher, et qui n'a jamais pu mourir d'ailleurs, qui est toujours dans mon cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai enregistré un disque là. Ben justement, alors parlons-en, oui. Vous sortez un disque de classique là. Un disque classique au piano avec du Liszt, du Granados, Albéniz. Ouais. Des études de Liszt. Et à l'accordéon, dans l'autre face, il y a du Saint-Saëns, du Scarlatti, du Daquin. Enfin, c'est pareil, quand on est habile de ses doigts, on peut jouer de l'accordéon, on peut jouer du piano finalement. Mais habile, c'est-à-dire ça demande un travail intense. C'est une discipline que l'on doit s'imposer, une discipline, je dirais, réduite à 50-60% quand on a un amour, quand on fait les choses avec passion, avec amour. Donc, c'est un travail constant. Est-ce que je disais, moi, je travaille beaucoup, mais c'est vrai, ce que je dis à M. Dumas. Il n'y a pas de grande réussite sans travail, cher. C'est une légende, ça. Et moi, je connais les plus grands travails, mais ils ne donnent pas toujours l'impression d'être harassés. Bah, il va être très disponible pour quelqu'un qui travaille autant. Je crois que vous êtes couché à 6h du matin, vous avez fait 600 km, vous êtes là. Oui, je suis là. Bah, vous sortez un livre aussi. Oui, également, sur ma carrière, oui. C'est pas chez Carrère Lafont, quand même. Ça fait 10 ans que l'on me demande de... C'est pas chez Carrère, non? Non, c'est chez Philippe Aki. Ah, d'accord. Voilà. Oui, ça demande un travail intense, donc... c'est sans arrêt. Et la musique, il y a une chose qui se passe, c'est qu'il faut se remettre en question tous les jours. Tous les jours. On ne sait jamais. Vous avez le trac quand vous montez sur une scène? Vous avez toujours le trac? J'essaie de vaincre ce trac-là, parce que, si vous voulez, si on me demande de compter jusqu'à 2000 sans m'arrêter, c'est une image. Ouais. Sur scène, je compterai jusqu'à 100 000. Oui. Voilà, alors donc le reste, l'image, vous avez compris. Bon, il faut jouer toujours beaucoup plus fort que le programme que l'on exécute en public. Et ça, je pense, c'est on peut maîtriser. Il faut maîtriser, bien sûr, l'instrument. Et ça demande toute une vie. Et qu'est-ce que vous faites contre le trac? Quand vous avez un peu le trac, vous faites quoi? Je m'entraîne. Vous avez une coupe de champagne? Non. Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Alors, je vais vous poser une question qui me brûle les lèvres. C'est que vous avez joué dans une fête organisée par Couscous Clan actuel à la Cartoucherie avec Mori Kante. Est-ce que c'est une prise de position politique? Est-ce que c'est une prise de position finalement en faveur du mélange des... Bien sûr, vous savez que les musiciens donnent de l'amour, beaucoup d'amour. On ne verrait pas un musicien vouloir tirer derrière un canon, disons. C'est la poésie, c'est un travail, bien sûr, je le dis tout à l'heure. Et lorsqu'on m'a proposé de faire cette émission à la Cartoucherie de Vincennes avec des gens de couleur, Mori Kante, avec Arabe, etc., c'est une idée qui m'a séduite. Parce que je pense, moi, bien sûr, le musicien est là pour dire que l'on peut se tendre. Il n'y a pas que le musicien, bien entendu, on le sait. Mais enfin, le musicien est là pour tendre la main, pour donner de l'amour. Et alors, nous avons fait cette soirée-là, et nous ne nous connaissions pas. Alors, étant donné que celui qui jouait de l'harpe indienne me dit « Je ne peux pas enregistrer en... Je ne peux pas jouer dans plusieurs tons. Je ne peux jouer qu'en mi bémol. » J'ai dit « Écoutez, lorsque ce sera à vous de vous exprimer, je ferai passer mon orchestre en mi bémol. Tout le monde jouera en mi bémol. Et vous pourrez vous exprimer. » C'est sympa. Et nous avons joué. Alors, finalement, ça a été une improvisation pendant les 4 heures de temps. Et j'ai passé une soirée
je peux dire, qui marquera dans ma carrière. Mm-hmm. Nous avons joué avec beaucoup d'amour, nous nous sommes relayés, nous nous sommes tendus la main. Et il y avait quelque chose qui passait. Ça, absolument. Roland Dumas, ça devrait vous faire plaisir, ça, de voir Yvette Horner aller jouer avec Mori Kanté, avec des musiciens africains, arabes. Je trouve ça très beau. Je trouve elle parle tellement bien de la musique. Elle en joue très bien, mais elle en parle très bien. C'est marrant parce qu'Yvette Horner, c'est quand même le symbole du tricolore. Si on pouvait parler de la politique de la même façon, elle devient multicolore. C'est extraordinaire. Je dois dire que ce jour-là, donc, il y avait Daniel Mitterrand qui était venu avec Jacques Lang et qui ont trouvé cette soirée, disons, je m'excuse du mot, mais enfin exceptionnelle, puisque c'est eux qui l'ont dit. C'est comme ça qu'on en a parlé, bien sûr. Et ils désirent d'en faire une grande soirée au mois d'octobre. Très bien. Avec plusieurs races où nous nous tendrons la main pour nous faire voir au monde que c'est l'amour qu'il faut. C'est l'amour, cette chaleur humaine est importante. On ne peut pas vivre sans l'amour. On ne peut pas vivre sans l'amitié, vivre sans cette tendresse, ça n'existe pas, c'est fondamental. Et j'étais très heureuse, j'ai été séduite par cette idée et je le referai avec un grand plaisir. Yvette, vous avez été élevée chez les bonnes sœurs, est-ce que vous êtes toujours croyante? Je suis croyante, oui. Ça se traduit comment? Vous faites une prière avant de rentrer sur scène? Non. Ça se traduit comment? On n'a pas besoin de fréquenter l'église, enfin bon, c'est moi qui le pense, c'est peut-être une erreur, mais on peut très bien être croyant, on peut prier partout. Non, je ne fais pas de prière avant de rentrer, mais je suis croyante. Vous êtes croyante. Je ne suis pas pratiquante parce que le temps m'en empêche, mais il y a une forme, si vous voulez, de pratique dans ma croyance, donc je pense que je n'ai peut-être pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches. Roland Dumas, vous êtes croyant? Je crois quelque existence de la divinité, oui, à l'ordre des choses, à l'ordre du monde. Oui, je ne suis pas, forcément engagé dans une religion. Et je pense aussi qu'il y a un tronc commun à toutes les religions. Oui, bien sûr. Qui est cette forme dont parle si bien Yvette, c'est-à-dire la richesse de l'humanité. Voilà, c'est ça. Voilà le Dieu. Moi, je pense qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Il n'y en a qu'un. Il y a cette divinité, une divinité qui est bien sûr... Je pense que... on ne peut pas dire voilà, c'est mon Dieu, je suis catholique, je suis ceci, je suis protestant, je suis ceci. Non, il y a un seul Dieu. Merci. Interprétez-le comme vous voudrez. Voulez-vous le dire que c'est le soleil? Je suis ravi de vous entendre dire des choses aussi importantes dans un endroit où on s'amuse. Merci beaucoup, Yvette Horner, dans un endroit d'amour. Merci. Ah, Franck! Oui, bonsoir. Vois, c'est les wannabes maintenant. Non, ça, c'est un wallaby qui vient d'Australie. Ah, c'est un wallaby d'Australie. Et ça, c'est des wannabes, I wanna be a star. Ça, c'est vrai. Et alors, ça, ce sont deux petits lions. Deux petits lions. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est du zèbre. Et après? Il y a la girafe de Marie Nimier. Ah, d'accord, bah, allons-y alors. Nous appelons Albert et Valentino Petit, nous sommes des loueurs d'animaux. Nous préparons des animaux pour le spectacle, pour le cinéma, la télévision. Chaque fois que vous voyez dans une publicité un animal, que ce soit un chien, un chat ou un animal exotique, comme les animaux qui sont là, c'est parce qu'il existe des gens comme nous qui faisons cette profession. C'est une profession qui n'est pas facile. Vous voyez que nous sommes obligés de biberonner. Nous biberonnons d'ailleurs deux petites lionnes jumelles qui sont là, qui tourneront dans un an et demi pour un film aux États-Unis. Nous avons toutes sortes d'animaux exotiques, c'est un métier passionnant. Si jamais vous voulez nous joindre, appelez-nous au 46 37 18 36 à Paris, le 16 pour la province. J'en profite pour vous dire que cet animal qui existe, un wallaby et non pas un wannabe, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Bonsoir, je m'appelle Marie Mercier. Je crée des chapeaux, je fabrique des chapeaux. J'essaie de relancer la mode du chapeau. Si vous êtes hydrocéphale, bicéphale, microcéphale, venez me voir, je pourrai résoudre tous vos problèmes. Enfin, vos problèmes de tête. Téléphonez-moi au 40 26 60 68. Bonsoir, je m'appelle Alexandre Touan, je suis journaliste, passionné et fou de musique. Je suis spécialiste de jazz, de rock et de musique classique. J'estime que les années 80 sont représentatives d'une certaine fusion dans les genres musicaux. C'est pour ça que je m'adresse à toute personne qui travaille sur ce genre de projet, y compris les directeurs de chaîne. Vous pouvez me contacter au 42 39 14 60. Bonsoir, mon nom est Ivan Tereshenko, j'ai 29 ans. Je suis sculpteur, peintre et photographe. J'ai élaboré avec la Cité internationale des arts un projet d'une sculpture monumentale, une grande maison peinte de façon minimale à Montmartre. J'ai obtenu les autorisations administratives et maintenant je suis à la recherche d'un sponsoring. Si ce projet et cette œuvre vous intéressent, vous pouvez me joindre au 42 23 38 10 ou au 42 71 31 66. Merci.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Garçon. J'ai lancé il y a un an une collection Nathalie Garçon qui est dessinée, vendue, fabriquée, distribuée par Nathalie Garçon. Tout va bien, j'ai 50 points de vente dans le monde, mais je cherche désespérément un banquier qui serait prêt à suivre. Donc si cette offre vous intéresse, je fais des vêtements pour des femmes qui aiment les hommes parce que j'adore les hommes qui aiment les femmes. Entre parenthèses, si cette offre vous intéresse, vous pouvez m'appeler au 43 38 66 72. Bonjour. 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 Vous parlez français? Vous êtes suisse de où? De Zurich. Et à part Stéphane Escher, il n'y a pas d'autres Suisses qui ont fait fortune dans le show business, non? Oui, il y a Fallenrider qui a, ouais. Qui a beaucoup de succès aux États-Unis, comme nous d'ailleurs. Ouais. Et il y a Yellow. Ouais. Qu'on connaît Yellow, peut-être, oui. Ou ils sont de Zurich. On connaît. Aussi, ouais. Ouais. Et vous êtes les troisièmes, quoi. Ou les premiers, ça les dépend premiers. Au niveau de la vente de disques, vous êtes les premiers, c'est vous qui en avez vendu le plus. Ah ouais. Combien vous avez vendu de Captain of Our Heart? Il faut demander le monde entier. Notre manager, il est là-bas. Tu sais pas combien? Non, environ 2 millions. 2 millions C'est bien, 1 million. Ouais. Et le prochain, il s'appelle comment, là, celui qu'on va voir, là? C'est un album qui s'appelle Double Three. Oui. Ouais. Et le morceau qu'on va voir, c'est quoi? Devil's Ball. Devil's Ball. Ouais. Toi, t'as fait la musique ou les paroles? Ouais, la musique. Et toi, les paroles? Ouais. Bon, on va le regarder tout de suite, alors. In my heart again, and a little bit of hell in my soul. I'm looking for a place to go where all my devils won't have a ball. Take my head high above the clouds, off the ground and far away from doubt. Where the world below looks pale, and where the right way is just a narrow trail.
Serge Toubiana après l'époque flamboyante de la Nouvelle Vague et l'époque un peu plus chiante du maoïsme, où en soi aujourd'hui les cahiers du cinéma? Ben, je crois que ça va mieux. Ça va mieux. Pas mal, oui. Disons que le fait d'arriver au numéro 400, c'est un petit peu, à la fois on se dit qu'on a un passé un peu lourd, et puis là on a voulu se donner des ailes, alors on s'est dit le seul moyen de voler un peu, c'est de confier le numéro à Wim Wenders. Ah, c'est ça, c'est Wim Wenders, rédacteur en chef. Rédacteur en chef. Et il y a quoi d'autre dans ce numéro? Ah ben, il a eu une idée qui était de demander à pas mal de cinéastes, une cinquantaine de cinéastes dans le monde entier, d'envoyer les premières pages de scénarios qu'ils n'ont pas tournées, ouais, et qu'ils ont rêvé de faire un jour. Ouais. Et je dois dire qu'on a des réponses assez marrantes, assez belles et souvent émouvantes. Alors ça va de Fellini à Cassavetes, à Godard, Cimino, Romer. Alors les cahiers du cinéma ont une réputation, enfin la réputation d'avoir un peu la dent dure. Quel est le plus mauvais film qu'on peut voir à Paris en ce moment? Je sais pas, je sais pas. J'ai pas vu beaucoup de films depuis 15 jours, mais... Alors on peut diriger les cahiers du cinéma et aller rester 15 jours sans aller au cinéma. Ben oui. En attendant, on va voir sur la sculpture de Pucci di Rossi, on va voir l'album de Sylvain Bergère. Chaque semaine, Sylvain Bergère fait les photos des plus belles fêtes de la semaine. Mariage de Philippe Constantin au but de Chaumont, pavillon Weber, tout le monde était là, Caroline Loeb, Jacques Higelin, le chanteur de carte de séjour, Aude Agile, Pierre Grimblat et les autres. Vernissage chez Agnès B, rue du jour des œuvres de Loulou Picasso. Et puis le Domingo, tous les dimanches après-midi, avec Paquita Paquin et Serge Kruger. Le Bataclan devient le Domingo, la Bastille, on en parlera tout à l'heure. On peut amener les enfants. Jean-François Bizeau, après avoir été le gourou du baba dans les années 70 pape du techno dans les années 80, t'en es où maintenant? Je refuse des caricatures. T'en es où maintenant? Voilà. T'en es clair? Ah, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. Mais les années 70, on a vu ce qu'elles ont été. Les années 80, tu nous avais dit qu'elles seraient technologiques, vigoureuses, gaies. Les années 90, ça va être comment? Il faut réfléchir un petit peu là-dessus. Je pense que... Parce qu'il y a un retour. J'espère qu'elles vont être lyriques. Ouais. Ouvertes. Et exploratrice. Alors, le mot baba m'énerve parce que... Ça t'a énervé, ça? Oui. Alors, mais attends, non, dis-moi. Oui. Ça m'énerve parce que, en fait, c'est... Mais c'était pas grave, c'est une époque où tu mettais des feuilles de marijuana en couverture de ton journal, mais c'était oui, très alors, bien. Je les mettrais encore, c'est pas le problème, ouais. Ça. C'est pas le problème. C'était à l'époque baba, c'était très non, bien. C'est passé dans les mœurs. Oui. Ce qui est passé dans les mœurs, c'est passé dans les mœurs. Mm. C'est plus le rôle d'actuel. Mm. Il faut se méprendre. Mm. Alors, si tu veux pas parler des années 90, il y a quoi dans ton numéro 100? Ah non, je veux bien en parler. Tu veux bien en parler? Oui, non, mais justement, c'est en rapport. Ouais. On a senti le besoin, disons, le numéro 100 arrivait. Bon. Donc, il fallait bien trouver une solution pour ramasser... la pensée, concentrer l'époque, ça s'appelle la concentrer l'époque. Tu as fait deux livres qui étaient vachement bien, c'est Déclasser les années blanches, qui ont été à l'époque, le premier s'est plutôt bien vendu. Le second moins bien parce qu'il était un peu déprimant. Quoi. Ouais, il était très donc, déprimant. Tous les gens qui le lisaient, aussi déprimant que la blanche. Ouais. Mais qu'est-ce que tu nous prépares un livre en ce moment? Ah, pas du tout, non, mais ça c'est une forme de bouquin à la limite. Avec la dope, vous en êtes où actuel? Est-ce que les soirs de bouclage, il y a un peu de coke qui rôde, ou alors est-ce que vous buvez des cafés et que c'est devenu un journal rangé comme Paris Match? Bah, c'est-à-dire que. Parce qu'à Paris Match, ils boivent que du café. Non, on s'est aperçu que la coke, c'est trop cher pour ce que c'était. Mais pas trop cher pour actuel quand même. Ah, pas du tout pour ce que c'était. On est paysans, nous. Ouais. Pas pour actuel, pour ce que c'est. Ouais. Donc on a remballé tout ça. C'est vrai que. Vous êtes calmé, quoi. C'est comme match. Ah, vous buvez un coup de rouge et du café, quoi. Ah, arrête ton numéro, je veux dire. Tu vas pas indéfiniment essayer de me mettre dans une boîte. Si. Hein, si tu veux bien. On est déjà dans une boîte. Dans une toute petite boîte. Mais ici. Donc, non, mais on a pensé que c'était pas d'une santé exceptionnelle. Tu en sais quelque chose. Tout à toi fait. Qui allais souvent te reconstituer à Quiberon. Donc... Tout à fait.
Je suis allé à Quiberon, la seule fois, c'est quand je me suis fait virer de chez Philippe Aki. Oui, non, mais on est là, on parle franchement maintenant. Ah bah, très franchement. Tu m'as lancé sur un terrain franc, donc bien sûr, bah, on est là pour ça. Donc là-dessus, on pense clairement, de toute façon, on n'a jamais été pro-dope, on a été pour les expériences. Et on continue à être pour les expériences. Très bien. Mais de c'est là... d'autres expériences. Ou d'autres dos. Non, d'autres expériences. T'as déjà pris de l'ecstasy, par exemple? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'était pas mal, vu la... ça fait une nuit pas mal. Hein, ça fait une nuit pas mal. Ouais. Alors Serge Toubiana, Jean-François Bizot nous expliquait il y a un instant que certains soirs de bouclage à une époque qui est désormais révolue, chez Actuel, on prenait certaines substances pour terminer le bouclage. Est-ce qu'au cahier du cinéma, ça existe, ça? Ben non, il y a du café. Il n'y a que du café. Et du champagne. Et du champagne. Et c'est du cher. D'abord c'est le café. Cher. D'abord le café et le champagne après. Et l'ecstasy, vous... Non. Jamais. Et Valentina, tu as déjà essayé de prendre de l'ecstasy, non? Oui, bien sûr. Ça t'a plu? Très bien. Qu'est-ce que ça t'a fait? Essayez-le. Il faut que j'essaye? Ah oui. On aime tout le monde, il paraît. C'est vrai? Eh oui. Et ça dure combien de temps? On aime les gens pendant combien de temps? Pendant toute une vie. Pendant toute une vie? Eh oui. Mais c'est formidable. C'est génial. Et Jill, did you ever try ecstasy? Yeah. And what was your feeling? How did you feel? Fine. Fine? Yeah. Did you? I never did, no. No? No. How long did it last? A couple of months, a couple of days? It may still be with me, I don't know. Maybe, you've still you got it inside you today, yeah. Yeah. I mean, but I realize I don't really need it. Yeah. And then you can get hooked on it? No, I mean, it's either, if you're an extreme person, you know, yeah. It's like whatever you want it to be. Yeah. You know, you want to be happy or you can be sad. I mean, it's whatever you want. Tu vois, t'es en train de lancer une mode encore. Grâce à la télévision d'Hersan, Bizot va relancer l'ecstasy. Non, c'est avec ton aide. Manifestant de ta part un besoin profond. Un besoin profond de savoir. D'amour. Un, de savoir. Deux, d'amour. Et vous, Yvette, vous prenez quoi quand vous voulez, comme ça, vous retrouver dans un état un petit peu différent? Eh bien, je ne peux pas me permettre, la musique ne permet pas de se retrouver dans un état différent que la netteté, la précision, quand il s'agit de lire de la musique. Oui, mais quand vous lisez maintenant, pas si de musique... On veut. Pardon. Mais les jours où vous ne lisez pas de musique... Eh bien, je me retrouve dans un état, si vous voulez, d'euphorie, parce que la musique vous donne cet état. Et vous avez besoin de rien, vous? Moi, j'ai besoin de la musique. Un peu de champagne, non? Ça fait pchit, des fois, mais enfin, je dois dire que... peut-être un peu de champagne, un petit verre. C'est tout. Une petite goutte, c'est tout. Mais votre copain Gauthier, il vous a jamais proposé des trucs un peu bizarres, non? Non, il va proposer des... Des joints, quand même, sûrement. Écoutez, non, il va proposer vraiment des tenues extraordinaires. Des tenues formidables, voilà, oui. Mais c'est tout. Absolument, nous amener sur ce voilà. Vous savez que Jean-Paul Gauthier, c'est un... Vous savez que Jean-Paul Gauthier, c'est un vraiment un couturier de langue de mille, oui. Et qui est capable de faire des choses classiques, bien entendu. Vraiment, c'est un talent très large. Mais il n'essaye pas de... Non. Non, pas du tout. Non, je crois que vraiment, dans sa maison, il y a une ambiance, extraordinaire. Oui, très saine. Sportive. Exactement. Jill, tell me, what was it the first time that you met Prince? Where I met him? Where and how was it? When we first met, I was singing with another band, and in what town was it? It was in Virginia, I think, and he and I didn't get along very well, so, you know, but finally... And he pointed at you, and he said, you, please, come in my band. No. No? We walked past each other and didn't say one word. And finally, we ended up in a car together. Yes. And then we became friends. And then it happened. And do you think that we have Michael Jackson, Prince, and Terence Trent D'Arby? Which one is the best one? I don't know. I don't know which one is the best. I haven't... Never mind. You don't dare to say? What? I don't know. Don't you think that Terence is going to be really great? I have a feeling, yeah. He's adorable. He's terrible, no? He's probably everything. You never know.
Okay, now we will hear your last record, Mia Bocca. Yes, okay. Okay, let's sing it. Thank you. Montre-nous l'artiste qu'on a voulu montrer actuel, regarde. Alors, il s'appelle André Schkaling, il est yougoslave et il fait de l'art capote. Alors la semaine dernière, on a souhaité faire rencontrer cet artiste à Brigitte Cornan et on n'a pas pu. Et c'est dommage parce que je pense que vous êtes vraiment attentif à ce qui se passe au point de vue artistique à Paris. Non, il faut le donner à Brigitte Cornan, elle est là justement. Vous avez absolument voulu la faire venir. Très bien. Demandez-lui son avis. C'est fantastique. C'est bien, hein. Tenez. Je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est du cinéma, ça concerne plutôt les cahiers du cinéma. Donc je voulais justement que vous voyiez un petit peu plus ça de plus près. Car il y a chant et contre-chant. Hein. C'est pas Michel Simon. Donc... Oui, c'est Michel Simon. C'est Michel Simon. Vraiment, c'est arrêté un contrepoint. Je sais pas s'il serait content, mais... Tu n'as pas voulu venir le voir. C'est très beau. On a voulu vérifier si vous étiez attentif aux nouveaux artistes, aux dissidents yougoslaves qui font de la peinture. Et personne ne veut voir. Est-ce qu'il est dissident yougoslave qui fait de la peinture, qu'il est nécessairement bon. Il s'appelle comment? Il s'appelle André Schkaling. Oui. Il a 25 ans. Et les jeunesses socialistes de Ljubljana viennent de lui confier la campagne de prévention sur le sida. Ça joue à peu près, ça. Ouais. Ça m'intéresse, par contre.
Il y a un intérêt réel dans ce qui se passe en Yougoslavie depuis longtemps, notamment en matière de rock, de punk et d'art, qu'on a quand même défendu un groupe punk yougoslave qui s'appelait Idoli, qui est devenu un groupe de variété d'ailleurs, alors, ce qui était marrant. Lui, l'État yougoslave lui a confié une campagne de prévention contre le sida, avec ses capotes à l'intérieur. C'est bien, c'est quand même fou. Oui, ça, c'est une Il faut quand même en parler. Mais c'est fantastique. Oui. Ça vous plaît? Ah oui. Bien sûr, Andrei Chkaline n'a jamais existé. Mais Actuel a tellement pratiqué le procédé de l'imposture que Jean-François Bizot nous pardonnera sans doute cette supercherie, notre façon à nous de fêter les 100 ans d'un journal à qui on ne la fait pas. Droit de réponse dans le numéro 101 d'Actuel. Alors dis-moi, mon petit Franck, c'est le moment où on lance les vaducules? Ben oui, les vaducules, en fait... En fait, on s'est gouré jusqu'à maintenant, oui, parce que c'est pas les deux qui font... Là, il est tout seul, il s'appelle Max. Il n'y a que Max. Alors, je me suis un peu renseigné, parce que j'ai eu un peu de temps. Ouais. Et là, en fait, Max a débuté comme tondeur de pelouse professionnel à Londres. Ah bon, pas à Nairobi, quand même. Pas à Nairobi, non. À Londres, dans les cimetières. Voilà. Et maintenant, il fait des films qui se passent dans des golfs à Nairobi. C'est la séquence qu'on va voir. C'est la séquence, c'est la troisième épisode des vaducules. La troisième épisode. You know Max Vaducule? Ouais. You don't know? No. You will see it. Cet épisode-là est génial. Vraiment bien. Hein. Chachnil, tu fais quoi dans la vie? Des costumes. Des costumes. C'est les costumes qu'on va voir dans le clip tout à l'heure. Tu en as fait? Ouais, c'est toi qui les as fait. Ouais, tous. Et toi, Patrick Sarfati, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis photographe. Hein. T'es photographe? J'ai fait aussi des costumes, mais pour les photos. Et on te voit dans le clip tout à l'heure. Absolument. Ouais. Bon, alors Pierre et Gilles. Qui est Pierre, qui est Gilles? Moi, c'est Pierre. Moi, je suis Gilles. Et voilà, en fait, je fais semblant de vous demander. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, puisque vous aviez fait toutes les couvertures de façade et beaucoup de choses pour façade. Je suis très heureux de vous avoir ici ce soir parce que vous faites vraiment partie des gens, très sincèrement, que j'ai envie d'en voir dans l'émission parce que finalement, je pense que vous méritez plus que ce que les médias vous offrent, même si votre travail commence à être reconnu. Alors, je voudrais que d'abord, avant de regarder votre travail, vous nous disiez comment vous travaillez. Toi, tu fais des photos. Oui, je fais photos et Gilles, plutôt la peinture, mais enfin, on travaille ensemble pour tout.
Alors toi, tu fais les photos, puis après, Gilles, il fait les dents bien blanches, le blanc des yeux bien blanc, c'est ça? Il idéalise. Il idéalise. On fait le décor, la mise en scène, on construit l'idée ensemble. Et vos sources d'inspiration, c'est un peu l'Inde, un peu l'Égypte, un peu le tiers-monde quand même. C'est l'Orient, oui. C'est l'Orient. Ça ressemble beaucoup à des choses naïves qu'on voit en Orient. Bon, les choses simples, et dans les rues, des petits détails qu'on regarde. Des petits détails. Vous allez souvent là-bas pour vous inspirer? Comment ça se passe? On était deux fois en Inde. Alors on va montrer votre travail. Raconte-moi, pendant que je montre ton travail. Voilà, c'est magnifique. C'est qui ça? Tu peux voir? Zuleika. C'est Zuleika. Très ancien. Ça. Voilà. Moi je trouve ça formidable. Ça c'est qui? Alison. Alison. Christian. Ça c'est Eva Ionesco. Ouais. Et ouais. Ça c'est qui? C'est un garçon américain. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle... Tu te souviens plus de son nom? Kevin. Kevin. Ça c'est Juliette. Ça c'est Juliette. Kevin, ouais, non. Vous faites beaucoup de pochettes de disques? On fait des pochettes de disques. J'ai fait de la pub, vous avez fait des pochettes de disques? Ouais, on fait on fait plein de choses différentes, beaucoup d'images personnelles pour nous aussi. Vous avez un style très particulier. C'est toi ça? Bon, alors maintenant vous faites des clips avec Gédéon, hein? Oui, Vous avez fait une campagne de pub d'abord pour la sardine que tout le monde a trouvé fantastique. Ça, c'est un moyen de se faire connaître. Et puis vous faites des clips avec Gédéon. On a fait un clip avec Mikado d'abord. Ouais. Ça a été le premier clip. C'était le premier clip qu'on a fait. On a fait ça entre amis, au fond. Ça a été, Vous travaillez avec une petite bande de gens. Il y en a un qui fait le style. Comment ça se passe? Bon, c'était vraiment là très simple. Entre amis, on avait une caméra. On est parti dans un jardin. On a tourné ça. Ouais. Et les clips, ça nous faisait peur au départ. Mikado nous demandait toujours de faire un clip. Et puis un jour, on l'a fait. Ça nous a plu. Et comment vous définiriez votre style? C'est-à-dire que c'est difficile de définir son style, mais il y a toujours une certaine naïveté. Il y a un côté kitsch. Le mot vous plaît pas, je suis sûr. Nous, on ne se rend pas compte qu'on est vous naïf. Vous ne vous rendez pas compte. Vous attendez qu'il y ait des critiques qui expliquent votre style, finalement? Non. Vous ne voulez pas en parler? Non. C'est comme ça, des choses. On sait même pas ce qu'on fait quelquefois. Enfin, moi je dois dire une chose, c'est que vous avez beaucoup de courage parce que je sais qu'il y a 10 ans que vous travaillez, que vous faites la même chose, que vous évoluez, mais enfin que vous êtes dans le même style. Et toujours avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de travail. Et le résultat, petit à petit, ça commence à se savoir et ça commence à prendre. Il parle pas beaucoup. Alors on va regarder votre travail. On va regarder le clip là qui va démarrer. On va regarder les rois du pétrole. C'est toi qui joues dedans. C'est les rois du pétrole. C'est lui le roi du pétrole. Alors c'est quoi les rois du pétrole? C'est une chanson... C'est une chanson qui était au prix de l'Eurovision en 80. C'est une chanteuse turque. Et ça a terminé combien? Avant-dernier. Et comment vous l'avez retrouvé? On a acheté adoré. Le disque. On a adoré à l'Eurovision. On a acheté le disque et la face B en français. Ouais. Génial. On adorait. On l'écoutait tout le temps pendant des années. Et on a eu envie de la mettre en ligne. On va regarder le clip. Alors si on peut nous envoyer le clip, c'est là. Les diamants, les perles, les bagues et les colliers, les manteaux de fourrure, ça me plaît qu'à moitié. Moi c'est le pétrole qui me fait surtout plaisir, c'est l'unique objet de mes plus beaux désirs. Il m'en faut pour faire marcher ma torpedo, et aussi pour le briquet qui allume mes cigarios. J'aime tant le pétrole que je prends des bains dedans, et j'y fais la connaissance du plus macho des sultans. Le roi du pétrole, il m'a rendu folle. Roi de l'énergie, il agit en roi du pétrole. Le roi du pétrole, il m'a rendu folle. J'ai vu ses puits et puis ses barils. Il rapide, le bruit comme une brute, c'est mon idole.
Rolls, le palais de marbre rose. Je ne peux pas dire que ça me fait quelque chose. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il est dans l'OPEP. Les grandes compagnies, lui, s'amusent avec. Ne me parlez pas nucléaire ni charbon. Non, il n'y a que le pétrole qui soit beau, qui sente bon. En pétrodollar, je règle mes dépenses. Et dans le golfe Persique, je passe mes vacances. Bonsoir, bienvenue au club. Marie Nimier, vous publiez chez Gallimard, vous faites un beau sourire, publiez chez Gallimard La girafe, et avant c'était Sirène, c'est ça? Exactement, vous avez tout bon. Vous êtes la fille de Roger Nimier. Juste. Très bien. Vous avez gagné aussi. Valentina Vargas, vous avez fait Le nom de la rose avec Jean-Jacques Annaud. Ensuite Fuegos de Alfredo Arias, et vous nous expliquerez ensuite ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Jean-Marie Rouard, c'est le cavalier blessé chez Grasset. Eric Neuf, qui n'est plus à présenter. Monsieur, la preuve. Mais présente-toi, là. Ben moi, j'ai lu leurs deux livres. Alors, c'est déjà une bonne carte de visite parce que c'est pas évident. Comme il y a 200 romans à la rentrée, moi, la question que je voulais leur poser, c'était quelle idée de publier en septembre et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir 198 concurrents chacun? Marie. Ah, moi, j'y pense pas du tout. Je veux dire, j'écris mon livre, il a été fini pour le mois de mai. J'ai envie de le publier le plus vite possible pour pouvoir passer à autre chose. Et j'ai pas pensé en tenir face à ça. Vous pensez que publier chez Gallimard et s'appeler Nimier, ça suffit finalement? Non, écrire un livre, ça suffit. Ouais. Et Jean-Marie? Oui, je crois qu'écrire un livre, c'est déjà une. Si on a réussi à le terminer, c'est déjà une grande chose. Vous pensez que l'attention des lecteurs est la même en septembre qu'au le 15 janvier? Oui, je crois qu'elle est plus grande. Moi, je crois qu'elle est plus grande, oui. Et puis, on n'écrit pas pour les lecteurs de septembre ou les lecteurs d'octobre. On écrit tout de même peut-être pour quelque pour chose d'un petit peu plus... Non, je pense l'histoire, la postérité. Oui, on écrit tous pour ça, bien sûr. Non, mais c'est vrai, on écrit plus. Sinon, on ne se donnerait pas tant de mal. Pour octobre, oui. En plus, vous jouez tous les deux la difficulté. Toi, Marie, ton livre, tu es une fille, visiblement, et le héros est un garçon. Qui est gardien de zoo, qui tombe amoureux d'une girafe, et Jean-Marie, qui est un jeune homme moderne, un nouveau hussard, comme on dit, écrit un roman historique. Alors c'est quand même surprenant de votre part à tous les deux. Pourquoi ne pas parler des années 87, normalement, toi, une fille d'aujourd'hui, et Jean-Marie, un énarque Il est énarque? Mais je pense qu'on écrit sur ce qui vous fait rêver. Moi, l'époque moderne ne me fait pas tellement rêver. Je préfère m'évader. Je pense que la fonction d'un roman, c'est aussi l'évasion. C'est aussi parler de ce, de ce qui vous fait fuir les obsessions justement modernes, l'écrasement bétonnière. Moi, je crois qu'il y a une formidable évasion, il y a un formidable mouvement dans l'Empire. Et c'est ce qui m'a tenté à travers des personnages qui avaient enfin une liberté extraordinaire qu'il n'y a pas aujourd'hui. Je crois que c'est un portrait en creux de l'époque d'aujourd'hui. Je crois que c'est un, à travers des témoignages historiques, à travers une époque, on peut montrer ce qui nous manque. Parce que tu recules de plus en plus dans le temps. Là. Le je précédent, sais pas jusqu'où c'était je vais aller. Au nom de la rose, peut-être. Ou à la guerre du feu. Et toi, Marie, pourquoi prendre un personnage masculin? Oh, c'est un défi. Je pense qu'après un premier roman qui était, comme Mais tous les premiers romans, tant assez... Ça aux hommes. Ah oui. Ah bon? Au point d'en faire des héros de roman. Non mais c'est formidable, c'est vrai, de se mettre dans la plume, puisque mon livre est écrit à la première personne, donc dans la peau d'un personnage qui vous ressemble, mais pas du tout, c'est génial. Ouais, t'es pas amoureuse suivre... d'une girafe, toi? Non, je suis ni gardien de zoo, ni totalement obsessionnelle, ni criminelle, et ni amoureuse d'une girafe, non. Mais il y a un point qui vous rapproche, c'est l'histoire de la girafe de Charles X. Tu connaissais, Jean-Marie, cette histoire-là? Oui, mais je vois pas le lien. Je vois pas le lien. C'est l'époque. C'est l'époque. Avec l'époque. Oui. L'histoire. Oui, je pense que l'histoire. Ça dit, dans ton livre, les hommes sont
plutôt amoureux des comtesses polonaises que des girafes oui, marocaines. Oui, il n'y a pas l'aspect un peu surréaliste qui vient chez Marie Nimier. Là, c'est un livre où les passions se passent entre êtres humains. Enfin, il n'y a pas ce côté, disons, un peu Marcel Aimé qu'il y a chez Marie Nimier. Je pense qu'en plus, on ne peut pas dire qu'il est amoureux d'une girafe. C'est une espèce de rapport sadomaso avec un objet qui s'appelle la girafe, qui est l'objet le plus impossible, l'amour le impossible, c'est tout. Jean-Marie, tu as lu le livre de Marie ? Oui, je l'ai regardé, oui. Ça t'a plu ? Regardez, j'adore. Regardez, bien sûr. Parce que j'en ai lu, j'ai lu tard, mais ce que j'en ai lu m'a beaucoup plu. Et toi, t'as lu son bouquin, non ? Non, pas du tout. Mais je ne l'ai même pas regardé. Non, parce que les chevaux et les girafes, c'est quand même deux mondes à part. Et enfin, Marie, tu as enquêté beaucoup pour écrire ce roman qui se passe aux eaux de Vincennes, où tu racontes que le directeur se livre à des turpitudes dans la caisse avec la préposée. La caissière, Mais il se passe des choses comme ça. Je ne sais pas, je suis allée... C'est pire qu'au bain douche. Je suis allée deux fois aux eaux dans ma vie, une fois quand j'étais petite et une fois récemment pour ce livre. Et je crois que je suis allée aux eaux et j'ai marché tout droit en regardant par terre pour surtout pas m'inspirer de la réalité et pour pouvoir laisser mon imagination déborder. Parce que j'imagine que si j'avais rencontré réellement le directeur du zoo, j'aurais jamais osé le mettre en scène avec cette caissière et bien d'autres scènes de cette... Maintenant, on ne va plus te le présenter parce qu'il ne va pas être content. J'aimerais bien. Tu as lu le livre de Jean-Marie ? Non, je débarque, je n'ai lu aucun livre de... Tu sais qu'il appartient à un jury littéraire, alors tu as intérêt à le lire. Il dirige le Figaro littéraire. Ça, c'est pas une bonne raison pour lire un livre non plus. Ah, d'accord. Elle est pardonnée. Très bien, merci. Alors, Valentina Vargas, qu'est-ce que tu fais en ce moment après Au nom de la rose et Fuegos ? En ce moment, je tourne un film avec Luc Besson. Il s'appelle Les Grands Bleus. Le grand quoi ? Les Grands Bleus. Oui. Et c'est juste au milieu de tournage, donc je ne peux pas dire grand-chose. Tu ne peux pas raconter l'histoire ? Non, pas vraiment. Ça te plaît ? Beaucoup. On t'a proposé beaucoup de scénarios ? Oui, beaucoup. Tu es chilienne ? Oui. Tu es partie du Chili à cause de Pinochet ou parce que tu aimais Paris ? Parce que je suis une voyageuse. J'adore la vie et j'adore vivre, connaître des mondes différents. Tu pourrais vivre là-bas ? Oui, parfaitement. Chez Pinochet, ça ne te gênerait pas d'y habiter là-bas ? Je ne parle pas de politique, je parle de... Du Chili. Du Chili, de mon pays. Tu veux y retourner ? Je retourne tous les week-ends, là. Tous les week-ends ? J'ai un abonnement sur Air France. Merci. Alors maintenant, on va regarder le clip d'Yvette Horner. Mais elle ne joue pas de l'accordéon, là. Cette fois-ci, elle joue du piano. Alors on va voir le clip d'Yvette Horner qui joue du piano classique parce qu'en fait Yvette elle voulait être concertiste classique.
Marie Ruki, bonsoir. Vous dirigez le Cours Berceau, qui est la seule école de mode digne de ce nom à Paris. Et on voit autour de vous quelques-uns de vos élèves qui sont assez extraordinaires, je dois dire. Vous avez une bonne réputation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire que la mode se déplace des Halles vers la Bastille? Est-ce qu'il y a une nouvelle... Oui, il y a un petit mouvement de masse. Oui. Une petite foule jeune. Oui. Mais elle circule... Vous savez qu'Yvette Horner est notre invitée aujourd'hui, que c'est, oui. C'est l'héroïne de la Bastille. Et est-ce que ça correspond finalement à quelque chose, ça? Est-ce que la Bastille prend la place qu'a tenue les Halles pendant quelques années? Je le pense, oui. Il y a beaucoup d'intérêt pour ce quartier, ça les amuse beaucoup et ils y vont souvent. Est-ce que c'est pas un retour au bleu, blanc, rouge, au tricolore, à la France, à une notion très comme ça? Non, je ne crois pas. Je crois que ce sont des mouvements de migration, comme les oiseaux, ils vont à droite et à gauche. Oui, ce que je voulais aussi demander à Marie, c'est que moi j'ai toujours beaucoup aimé le cours pour deux raisons. La première, c'est qu'on y travaille beaucoup, qu'on est toujours sur le terrain et qu'en plus on rigole tout le temps au cours Berceau. Alors, comment on fait pour rigoler tout le temps? C'est très simple. On fait ce qu'on aime ce qu'on fait. On ne fait pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on fait. Alors, Franck-Joseph Bastille, bonjour. Alors, tu es vraiment le couturier de la Bastille, puisque tu t'appelles Franck-Joseph Bastille. Oui. Enfin, la Bastille reste à prendre. Oui, non, c'est sûr. Oui. La Bastille de la mode reste à prendre. Oui, tout à fait, je pense. Comment c'est de monter une maison de couture en 1987? Est-ce que c'est difficile? C'est très difficile. Au niveau de l'argent, mais sinon tout va très bien, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre bien avec des journalistes américains? Non, il faut travailler, il faut savoir s'entourer, il faut avoir une personne merveilleuse qui travaille avec soi, il faut avoir une attachée de presse géniale, il faut avoir une égérie, il faut avoir une voisine exceptionnelle qui nous recueille dans les moments difficiles. Alors Marie Nimier, c'est extraordinaire parce que finalement, quand je t'ai invité, je ne savais pas du tout que tu étais la voisine de, pas de palier, mais non, d'étage. J'habite juste au-dessus, voilà. De Franck. Il vient quelquefois s'échouer, prendre des petits déjeuners à la fin de... Est-ce qu'il travaille, vraiment? Il travaille beaucoup. Oui. J'aime bien ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il apporte, finalement? Quand on commence sur un marché, on doit apporter quelque chose. Qu'est-ce que tu as le sentiment d'apporter de... qui n'est pas encore là, ou de renouveler, disons, au minimum? Non, je sais pas, ça c'est pas... Je sais pas, moi je travaille, je sais pas trop... Je fais mon travail du mieux. J'ai déjà eu Pierre-Égile tout à l'heure qui m'expliquait qu'eux, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, qu'ils le faisaient. Oui, bah moi c'est à peu près... C'est le propre de l'artiste, ça? Je sais pas si c'est le propre de l'artiste, je pense que c'est pas vraiment non plus une notion d'artiste, de faire des vêtements, c'est aussi assembler des bouts de chiffon et les mettre sur des personnes, donc c'est pas vraiment... C'est pas vraiment... Est-ce que tu as une idée de la femme, une idée de la mode? Est-ce que... J'ai beaucoup d'idées de la femme, j'ai beaucoup de femmes autour de moi, donc j'ai beaucoup d'idées de femmes. Donc c'est tout, je veux dire, j'ai 1000 femmes autour de moi, donc j'ai 1000 idées de la femme. Il y a surtout beaucoup d'humour et toujours il y a des petites touches comme ça, des petites touches sensuelles dans ses habits que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est assez littéraire sa manière de voir les matériaux. Les noms de ses vêtements sont toujours me plaisent beaucoup. Mais c'est sûr, j'ai besoin toujours de faire une histoire. On a toujours besoin de faire une histoire. Il crée des personnages, toujours. Et tu porterais ce qu'il fait? J'ai déjà porté ce qu'il fait. Je vais quelquefois emprunter des trucs pour sortir. Jean Rousseau, toi qui connais tout sur la mode, est-ce que tu connaissais Franck-Joseph Bastille? De noms seulement, je n'avais jamais vu. Ce qui m'étonne un peu, c'est que je vois qu'il y a des robes très cocktail, qui ont comme quand même un certain classicisme, et puis d'autres choses comme ça, avec des grosses laines, des carreaux. Et ça me plaît parce que ça me fait dire que maintenant, les stylistes n'ont pas une image fermée. Ils peuvent faire des choses assez comme ça, presque opposées. C'est vrai ou pas? Oui, parce qu'on a autour de... Il y a plein de femmes différentes. En plus, une femme a envie d'être plein de femmes à la fois. Donc, c'est sûr qu'on a envie de faire plein de choses différentes. Et d'écrire des histoires complètement différentes d'une heure à l'autre. Donc... C'est sûr qu'il y a... Donc on est très content parce qu'on a appris quelque chose à Jean Rousseau, finalement. Absolument, merci. Alors maintenant, on va voir, pour rester toujours dans la Bastille, on va voir un clip qui a été apporté par Laurence Twitou et qui a été réalisé par Franck Lord, le réalisateur de l'émission. Et c'est des tatouages, c'est des gens du quartier qui ont été filmés ici au bain. Et on va voir ce clip qui est assez, assez esthétique et assez dans l'air du temps. And unsoiled, yet sweaty and wet. I swear to you, this is something I'll never forget. I need love. I need love. I
no longer a playboy on the run. I need something that's stronger. Friendship, trust, honor, respect, admiration. This whole experience has been such a revelation. It's taught me love and how to be a real man. To always be considerate and do all I can. Protect you, you're my lady and you mean so much. My body tingles all over from the slightest touch of your hand. And understand, I'll be frozen in time till we meet face to face and you tell me your mind. If I find you, girl, I swear I'll be a good man. I'm not gonna leave it in destiny's hands. I can't sit and wait for my princess to arrive. I gotta struggle and fight to keep my dream alive. I searched the whole world for that special girl. When I finally... Alors Guy, les chouchous de la semaine, hein. Voilà, j'ai fait mon marché ce matin, j'ai devant mon pote Michel Gobert à Chandis et j'ai trouvé, je croyais que ça n'existait pas, j'ai trouvé la bande son de Ailes du désir. Ah. Que j'ai vu ce week-end, je suis encore sous le choc, Franck est d'accord avec moi. C'est vraiment très très beau, je pense qu'on en parlera dans 10 ans beaucoup de ces films, mais la bande-son également est très très belle. Il y a qui sur cette bande-son? Il y a Laurie Anderson, il y a Nick Cave, il y a Crime and the City Solution. Il y a plein de choses très très belles, il y a aussi des passages. Mais chaque semaine, il y a un chouchou de plus, là, il y en a 3 là cette semaine. Ouais. La 42e, il y aura 42 chouchous. Je parle trop, non peut-être. Non, tu parles pas trop, c'est parfait, continue. Alors, les ailes du désir, c'est important. Les ailes du désir, ça fait. Merci. Deuxième, Angel Heart. La photo est bien. Elle est chouette, la photo. Très beau aussi. Très chouette. C'est sévère, moins que l'autre, mais c'est sévère aussi. La photo est belle. Qui a fait la musique là? Là, c'est Courtney Pine, c'est un peu jazz, c'est plus facile d'accès déjà que l'autre. Ah, c'est jazzy, très également très beau. C'est vrai que la photo est belle, non? Ça va brancher et tout. Oui, mais on n'achète pas la photo pour la pochette. On voit beaucoup en main, voilà, on voulait la garder. Allez, c'est parfait, c'est vendu. Deux. Allez, deux, hop. Alors la troisième, maintenant. Pardon, Thierry, il y a un faux pli dans votre... Je peux l'enlever, non? Pardon, c'est Denise Glaser, n'avait jamais de faux pli, ça m'emmerde. Bon, alors voilà. Alors le troisième, c'est un truc qui marchait très fort. Il marche très fort à Londres. Ouais. Ça, tout le monde aime ça. Alors, c'est un ancien journaliste. Ouais, je connais ça. C'est comme si vous commenciez à chanter, Thierry. Mais je vais peut-être le faire, oui. Voilà. Alors, c'est un ancien journaliste. Il baille, là. Qui était amateur d'art. En plus, journaliste. Et l'autre qui était déjà chanteur, mais qui marchait pas. Ils ont fait deux albums. Et celui-ci est vraiment génial. Et le mieux des trois, c'est lequel? En plus, il y a un duo avec Dusty Springfield. C'est celui-là. Les trois, c'est lequel? Le mieux des trois? Ah, c'est différent. Non, le mieux des trois. Le mieux. Le mieux. Celui-là, il faut l'écouter. C'est celui-là le mieux des trois. C'est pas à l'air du conflit. C'est le super chouchou de la semaine, alors. C'est celui-là. Bon, d'accord. Allez, super chouchou de la semaine. Alors, celui-ci, je dois le dire. Non. C'est celui-là. Celui-ci a un duo avec Dusty Springfield, une des chanteuses préférées des années 70. Taisez-vous. Allez, au boulot. Bon, allez-y. Ça t'apprendra d'en avoir plusieurs. Au revoir. Il y a une chanson qu'on entend sur toutes les radios, qu'on voit sur toutes les télés. Alors comme on est vachement originaux ce soir, on va vous l'offrir avec Yvette Horner et Ricky Amigos. Voici La Bamba. Ouais. Y arriba,
lilongo. El sombrero me lo quito, me lo pongo. Lilonga, lilonga, lilongo. El sombrero me lo quito, me lo pongo. Chanteur, guitar favori, le Baron. Moi, je l'ai adoré à la Régence pendant un an. Il va nous chanter « J'aime ma télé ». Et après, « Gin Ginny », c'est une chanson de Bowie consacrée à Jean Genet. Le Baron. Bonjour. Télé, la vocation de la mafia. À demain, bonsoir. Money, success, money, success. Ma télé reste allumée. Je me saoule de la regarder. Parfois, quand vient le soir, je me surprends même à l'embrasser. Qui actualité? À quoi bon lutter? Jamais sommeil avec elle, je me fous des voisins réveillés. Pourquoi se suicider? Alors qu'on peut aimer sa télé. J'aime ma télé. Aimer sa télé. J'aime ma télé. Télé, télé, télé. Le programme soir intitulé. Sexe ou la télé. Certains l'aiment chaud, d'autres froid. Certains comme moi, les deux à la fois. Pourquoi se suicider? Alors qu'on peut aimer sa télé. J'aime ma télé. Aimer sa télé. J'aime ma télé. Télé, télé, télé. Let's go.
fun. Oh, Gene, Gene, lose on his back. Gene, Gene.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.